c'est un pont qui comme son nom l'indique, se situe à Saint-Malo, au pied des remparts. Là, c'est un pont tournant qui fait 45 mètres et qui pèse environ 450 tonnes. Alors déjà, ce pont, il remplace un pont levant en deux parties. Là, c'est la région Bretagne qui va demander explicitement un pont tournant. L'avantage du pont tournant, c'est que c'est un peu moins dangereux pour le personnel et pour le public, en fait. Le client avait défini des objectifs de performance, dont un temps de cycle à l'ouverture et à la fermeture, pour éviter de bloquer les voitures pendant un temps trop important. Nous avons déjà réalisé des ponts tournants par le passé, donc on a l'habitude de concevoir ce genre d'équipement et de travailler sur ce genre de projet. La durée de vie est une exigence du client. Le pont est censé durer 100 ans, en faisant une moyenne de 5 cycles d'ouverture-fermeture par jour. Donc il y aura plusieurs générations après la nôtre.